Et beauté Nabino les gens, c'est Mouibi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Bournemouth. Aujourd'hui, gros match, plusieurs gros matchs, Liverpool tout d'abord en championnat, Mönchengladbach en Ligue des Champions et Chelsea en championnat. Vous voyez qu'après on aura Man U dans le prochain épisode en championnat, donc un sacré triptyque qui nous attend. Donc on n'a pas 36 000 questions à se poser, on va mettre l'équipe type, on va voir ce qui va nous arriver, tout simplement. Les joueurs reviennent pas à 100% de leur forme physique parce qu'il y a eu la trêve internationale, donc certains ont joué, voire presque tous. Mais voilà, c'est le cas pour nous, c'est le cas pour Liverpool aussi. Donc on va voir ce que ça va nous donner. On a Pipi qui joue contre nous. Pipi qu'on a vendu 71 millions à Liverpool cet été. Donc voilà, espérons qu'il ne nous fasse pas trop de mal. Hein. C'est un gars qui est très technique, qui sait bien dribbler. Mais on avait arrêté. Passons le vendeur, Salvi. Première action. C'est la deuxième fois que sur la première action, on marque cette saison. Après le but contre Wolverhampton. Très sympathique de commencer par par un but, tout simplement. Il n'y a rien de mieux pour faire du mal au moral adverse. Cette équipe de Liverpool qui, moi je trouve, ça fait bien un petit peu quand même avec le temps. Bon, Kyung et Benny, oh le centre, magnifique. Magnifique, Kyung et Benny qui est ralasse hein, cette saison. Vraiment, je pense qu'il va pas trop. Enfin, s'il continue à jouer comme ça, il va pas trop tarder à passer à 4,5 de niveau au lieu de 4. Fabinho qui dégage la balle, ça revient sur Plata. Kamavinga. Salvi, oh pas mal. Non, Kyung et Benny, qu'est-ce que tu fais? Lui, pour lui, c'est passé, tu vois. Genre, il avait une occasion de frapper. Non. Moi, c'est les passes. Alisson Becker, il serait temps de prendre ta retraite aussi, Alisson, parce que t'as quand même 72 ans et demi. Espizo avec Tarcisio, ça décale sur Kyung et Benny. La passe pour Salvi, le triplé de Salvi, le poteau, non ah, le poteau, pas de triplé. Lui, on sait qu'il aime marquer contre Liverpool. Hein. On sait qu'il aime ça. Alors, en tout cas, il a bien réorienté le jeu. Sur Navarrete, mais là, Navarrete lui a fait une mauvaise passe. Salvi qui passe encore. Ouais, non, mais abuse pas non plus. On sait que t'aimes bien marquer. Tout le monde le sait. Je sais, tu sais, ils savent. Nous savons. Vous savez, ils savent que t'aimes bien marquer contre Liverpool, mais faut pas abuser non plus, mon pote. Faut chercher le but de l'équipe avant d'aller chercher ton but à toi. Ça décale sur le côté. C'est intercepté par Navarrete qui repère son duel derrière. Heureusement, c'est vigilant derrière. Nick Kyung et Benny, encore une passe pour Salvi. Oh, l'arrêt! Enfin, on lui tire dessus. Liverpool qui n'a pas eu une occasion pour l'instant. On monopolise le ballon et le jeu, tout simplement. Belle prestation collective, notamment de nos deux, quand même, Kyung et Benny et Salvi. Et voilà, un match qui se déroule pour l'instant sans encombre. Espérons que ça se continue, que ça continue plutôt. Jusqu'au coup de sifflet final. On voit n'empêche que Chelsea ne perd pas le rythme. Ah, peut-être une première occasion de la part de Liverpool. Non, c'est un ballon qui est directement donné par Pipi. Ça, il avait déjà l'habitude de le faire avec nous. Le centre qui est un peu en vain. Hein. Donc Kamavinga fait gaffe dans tes passes quand même. Heureusement que ça dort chez Liverpool. Oh, Salvi. Il fait briller Becker quand même. Hein. Depuis son doublé, trois fois qu'il tire sur Becker, qui améliore un peu ses statistiques niveau gardien à 72 ans. Kamavinga avec Salvi, Kamavinga encore. Les gars, bougez-vous le cul. Aïe. C'est malin de la part des Spizois. Faut pas trop dangereuse, donc pas sanctionné d'un carton. Malheureusement, bah allez, on attend 3-4 minutes et on va faire sortir les Spizois et Kamavinga qui ont joué en sélection. Est-ce que ce serait pas un but de Sharky quand même? Ouais, si. On le sentait. Au moment de la frappe, enfin on a vu le coup franc quoi, tout simplement, que bah il était très très bien placé. On va faire rentrer Pablo Ortiz au poste de milieu défensif. Bruno Souza, il sait jouer en milieu défensif, mais il sait jouer plutôt en milieu central. Donc plus un 8 qu'un 6 au final, donc c'est pour ça qu'on va préférer Ortiz sur cette rencontre. Bon allez, faut pas se faire surprendre, 2,17 à 0,45 d'XG, faudra aller reprendre un petit break d'avance. Justement, peut-être Plata le centre, ça passe au-dessus. Non, pas un deuxième coup franc direct quand même. Van de Voort qui saisit le ballon, qui le lâche pas. Est-ce qu'il va réussir son dégagement? C'est bien, une petite passe pas bêtement dégagée. Plata, c'est un peu moins bon ce qu'il me fait, mais c'est pas grave. Il y avait le titan Keller derrière qui suivait.
Oh, Darwin. Darwin, non. Bien joué, Van de Voort. Les gars, faudrait pas trop se relâcher quand même, hein. Parce que là, depuis leur premier but, c'est. Enfin, depuis leur seul but quand même, il n'y a que eux qu'on voit. C'est bien d'avoir arrêté. Allez, tu prends le dessus sur Alexander Arnold. Le tacle est bon. Le tacle est très bon. La touche, elle est ratée de la part de Perez. Ça revient sur Fabiano. En retrait avec Plata. Bel Castro, c'est bien. Ça casse une première ligne. D'avoir arrêté le centre. Mais Becker, vraiment, mais arrête! Non, non, non. Pas de but, pas de but, pas de but. On avait ce match en main, les gars. On les domine de ouf. Oh, c'est sans but. Oh, pipi, sérieux. Oh, la malédiction des anciens joueurs. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Liverpool va vouloir se venger de la finale de la Ligue des Champions où ils nous avaient dominé de ouf? Et c'est nous qui avions gagné, alors que là c'est nous qui dominons. Ah, il y a pénalty. Monsieur l'arbitre. En vrai de vrai, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, mais connaissant FM, il y a moyen qu'il le siffle. Le pénalty est accordé. C'est Tarcisio qui va s'en charger, comme d'habitude. Ah non, on l'a pas vu. Ah, c'est Salvi qui s'en est chargé. Est-ce qu'on. Bah, du coup, on va avoir le ralenti, hein. Salvi pour aller chercher son triplé. Ah, il n'est pas passé loin, Becker. S'il avait poussé sur les jambes, il l'aurait eu. Mais il n'a pas poussé. Donc c'est un triplé, donc 7 buts sur ces deux derniers matchs hein, contre Liverpool. Par contre, arrête de frapper sur Becker, mon pote, ça fait déjà. C'est au moins ta 7ème frappe du match. Tarcisio, le coup de pied arrêté, c'est repoussé. 3,68 d'XG à 0,7 et il y a 3-2 quoi. Aïe 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 aïe. Plata le centre. Ouh. C'était difficile. Beaucoup beaucoup de temps fort hein, quand même dans ce match. Donc plaisant à voir. Il n'y a que Leicester. Ah non, j'allais dire, il n'y a que Leicester qui est en train de faire carton plein aussi, mais Chelsea a marqué juste après. Donc ils sont à 15 points. Tout le monde est à 15 points. Oh, par contre, nos 5 de devant là sont bien cramés. Ce serait bête de se prendre un but maintenant. Non, pas comme ça surtout. Allez, Salvi, lâche la balle. Fabiano, Tarcisio, magnifique. Une nouvelle victoire par 2 buts d'écart. Est-ce que ça deviendrait pas la norme? Ah, on aurait pu le gagner, genre 4-0 ce match, hein, ou 4-1. Voire même plus que ça, mais il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup, beaucoup de déchets, surtout devant. Derrière, bon, il y a un coup franc, on peut pas trop faire grand-chose sur le coup franc. Mais voilà, petite victoire du coup contre Liverpool, très satisfaisante. Parce que bah déjà, c'est Liverpool, tout simplement. Puis ça nous permet d'enchaîner les victoires en championnat. Premier but de Diamana sous le maillot de la Roumanie. Quand est-ce qu'on l'a acheté, Diamana? Bah, il est venu cette année. Ok. Écoutez, nouvelle star de l'équipe d'Angleterre. Mark Keller qui s'est sélectionné en équipe d'Angleterre. Ça, c'est bon signe, ça. C'est très très bon signe. On était coté à combien? On était considéré comme favori quand même. De ce match, Emerson Fabiano qui s'entraîne bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est cool. François Salvi, du coup, qui a mis un triplé. Club déçu après une lourde défaite. Bah ouais, elle aurait dû être encore plus lourde que ça, mon pote. On prend un nouveau recruteur. C'est pas mal. Sanjin Mofardin, on refuse de le vendre. Je vais aller nettoyer un petit peu ma sélection encore. Là, combien? Hop. Ces deux-là, juste qu'on doit enlever pour l'instant. Ok. Retirer de la sélection. Bon, on va pas attendre 50 millions qu'ils fassent un rapport sur eux avec les rapports réguliers. Demander un rapport, ça va plus vite. Est-ce qu'on peut demander la fréquence, enfin changer la fréquence des rapports? Et je parle d'FM hein, pour les esprits mal tournés, comme le mien par exemple. Ok, du coup, match contre Mönchengladbach. Ah, on va peut-être connaître. Et je vous rappelle quand même que on est encore invaincu dans notre histoire en Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, on a fait 12 victoires et un match nul. Un match nul 0-0 contre le Real. En ayant genre 3 d'XG à 0,5. Mais ça reste un match nul. Donc voilà, moi je vais pas me casser les pieds. Hein. Je vous l'ai dit en fin de saison dernière. Pour ceux qui n'ont pas suivi la saison d'avant ou le reste de la carrière, mon objectif c'est de gagner avec Bournemouth la LDC et une fois, enfin au moins une fois la LDC et une fois le championnat anglais. Mais il nous reste que le championnat anglais parce qu'on a déjà gagné la LDC, donc cette année, la Ligue des Champions, je m'en fiche. Mais genre complètement. Du coup, voilà.
Ça explique le fait que je vais m'être remanié complètement. C'est la seule et unique raison. C'est parce que aussi, genre, je veux pas que la carrière avec Bournemouth dure 50 000 ans aussi. Parce que je sais que c'est pas forcément évident pour vous qui regardez les épisodes sur la chaîne de suivre un let's play qui a 150 épisodes. Parce que mine de rien, on s'approche quand même de ce chiffre-là. Donc voilà, on est sur une équipe très remaniée, avec que des joueurs frais. Pas grand chose à dire de plus. Let's go. Let's go, let's go contre le Borussia Mönchengladbach. Une équipe avec un des noms les plus imprononçables. Une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Ou en tout cas qui a au moins fait une finale. Mais je crois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. On va aller voir ça tout de suite. Moise Kean d'ailleurs, qui joue là-bas. Non, ils ont fait une finale de Ligue des Champions alors. Dans les années 80, quelque chose comme ça. Hop, on va aller voir tout de suite. Non? Sérieux, je suis fou? Jure, je suis fou. Mönchengladbach, ils n'ont jamais fait une finale de Ligue des Champions. Ah ouais. Eh ben. Je me suis ridiculisé. Donc. J'ai vraiment cru qu'ils avaient fait une finale de Ligue des Champions. Ah, peut-être que. Bah non. Tout simplement, c'est parce que je confonds avec Hambourg. Et oui. Mais bon, Borussia Mönchengladbach qui est quand même une équipe historique d'Angleterre. Ah ouais, non, mais c'est bon, faut pas arrêter. Eh, je vous jure, je suis pas un clown, hein, je connais le foot. Regardez la preuve, je mets Pablo Ortiz qui marque des têtes. C'est pas une preuve que je suis un connaisseur de foot, ça. Si vous dites non, c'est normal. Non, j'ai juste confondu avec Hambourg, mais le Mönchengladbach qui est une équipe... avec une bonne histoire quand même en Angleterre. C'est pas le Bayern, c'est sûr, mais c'est quand même une bonne histoire. Est-ce que Cassidy n'irait pas chercher un doublé en 15 minutes? Moi, j'ai l'impression que si. Hein. Aïe, 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 aïe. La profondeur de banc qui fait la différence, déjà. Après, on sait que bah l'équipe, elle est quand même genre boostée par la Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière, où ils ont battu absolument tout le monde. Au moins une fois. Liner, le centre. Liner et Beltoul, il est où? Fou. Oh Cassidy, oh Cassidy, oh Cassidy, oh James, James Cassidy. Magnifique. Un petit triplé en 22 minutes, c'est réglé. Non, c'est pas un triplé, il a fait la passe D sur le premier, je suis bête. Bon, bah, il va falloir mettre un triplé avant la 39ème pour que mon affirmation un triplé en 22 minutes soit vrai. Oh, ce serait fou. Ah, ce serait vraiment fou qu'il marque un but là-dessus. Ce serait vraiment incroyable. Ah, il va faire peut-être une passe D. Non, ça recircule. Ça coulisse. Ah, bah voilà, le triplé de James Cassidy en moins de 22 minutes. Mais voilà. 4-0 à la 37ème. Aïe, 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 comme quoi. Heureusement que j'ai pas montré tous ces matchs de poule de Conference League et de Ligue Europa. On aurait perdu du temps. Alors que là c'est la Ligue des Champions, c'est quand même des victoires qui rapportent 2,7 millions d'euros, donc on va les montrer quand même. Ce que n'empêche, un sans faute, c'est pratiquement 18 millions dans la caisse. Donc c'est beaucoup, 18 millions. Oh, Juan David Mosquera, quelle petite reprise de volée sublime. Simple et efficace, magnifique. Magnifique. Mönchengladbach qui n'existe pas quand même pour l'instant. On a été vachement réalisés ensemble. Perez à Keller qui change d'aile. Ok, on était vachement réalistes, du coup je disais, parce que bah, on a marqué 6 buts sur 5, sur 5 frappes. 5 buts sur 6 frappes cadrées, c'est mieux. Et on a que 1 et 1,3 d'XG, donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus marqué les buts les plus évident, les plus faciles à mettre. Donc il y a eu de la réussite ou de la qualité technique, à vous juger. En tout cas, peut-être que Cassidy va aller chercher un quadruplé. Non, pas de quadruplé pour Cassidy. En même temps, là il a tenté un truc difficile. 66ème minute, peut-être un premier temps fort pour Mönchengladbach. Il décale liner. Oh, l'interception pleine d'autorité, l'intervention plus que l'interception d'ailleurs. Liner encore contre Musek, deux fois. Ah, et cette fois-ci, il le passe. Cassidy. Oh, Cassidy qui va jusqu'au but.
Oh, il dribble le gardien. Quoi de plus, James Cassidy. Vous avez dit James Cassidy, je le sens bien. Je pense que lui, même s'il perd son, 4, son 5 étoiles de potentiel, je pense que je vais le garder. Tout simplement parce qu'il est formé au club et ça, c'est toujours une belle histoire d'avoir un attaquant de plutôt bon niveau formé au club. Hop, n'oublions pas quand même que c'est pas parce que c'est la Ligue des Champions qu'il n'y a rien derrière. On va faire des changements. Comme Vinga, tu vas te reposer, mon pote. Daniel Fernandez qui va jouer. Bon, bah, une petite victoire 6-0 avec l'équipe B. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, tout ça? Moi, je trouve que c'est beau, quand même. Hop! Magnifique. Et du coup, hop, on passe. Et on a le match contre Chelsea qui nous attend pour clôturer cet épisode. Gros match en perspective. J'ai pas vu, on est à domicile ou à l'extérieur contre Chelsea? On est à l'extérieur. Premier vrai test de la saison, les amis. Mosquera marque pour ses débuts. Combien on l'a acheté, Mosquera? Vraiment, acheté 1,9 million, il en vaut déjà 9. 8,25, excusez-moi du mensonge. J'ai menti, j'avoue, j'ai menti. Un Cassidy des grands jours, 4 buts, une passe D. James Cassidy, merci. Sa progression, regardez sa progression depuis qu'il est dans l'équipe première. Ah, il a déjà tapé le 3 étoiles. Hein. Là, hâte que ça reste, ça, le 4,5. Bon, je pense que ça va pas rester longtemps. Je pense qu'il va passer à 4 étoiles de potentiel longtemps. Au final, pardon, plus que longtemps. Mais c'est pas grave. Ça m'intéresse pas. C'est moi qui fais ce que je veux. C'est mon équipe après tout. Aïe aïe aïe. C'est quoi les cotes? 2,20 pour Chelsea, 3 pour nous, 3,50 pour le match nul. Je peux comprendre. C'est quand même le choc. En tête de Première Ligue, ça me rappelle la première saison, on était leader de Première Ligue et on avait joué contre Chelsea et ils nous avaient découpé nos darons et on avait perdu la tête à ce moment-là, on l'avait pratiquement plus retrouvé, on avait fini 6ème au final, qui était un excellent résultat à l'époque, sachant qu'on a fini à 6 points du premier, quelque chose comme ça. Donc voilà, André Marcos, j'ai une quantité d'offres de prêt des clubs américains, ça me débecte. J'ai oublié de féliciter Juan David Mosquera. N'oubliez pas de féliciter vos joueurs quand même. Hein. Parce que c'est quand même super super important pour leur propre développement et tout. On est en tête de la formation de division d'élite Europe avec tous les gars qu'on a achetés et tout et qui sont considérés comme formés au club. On est en tête. Et combien sont encore là? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, à peu près 18. Bon, j'ai dit à peu près, hein, parce que vraiment, au bout d'un moment, j'ai eu la flemme quand j'ai commencé à scroll down. Mais bon, on est parti. Du coup, une équipe assez fatiguée quand même déjà. L'enchaînement des matchs qui ne fait pas de bien. Mais bon, l'enchaînement de matchs ne fait pas de bien. Ce qui fait du bien, c'est l'enchaînement de résultats. Et c'est ce qu'on va chercher maintenant contre Chelsea. Ça va être dur. Ça va être dur, les gars. Personne ne dit que ça va être simple. Surtout dans un Stamford Bridge aussi plein, aussi rempli de couleurs bleues. Donc, les supporters qui sont présents. Mais ça passe au-dessus. J'étais pas vraiment inquiet. Parce que je voyais que le ballon était très haut. Ce serait bien qu'on récupère. Voilà, bien joué Tarcisio. On reconstruit tranquillement, peut-être, normalement. Normalement, c'est mieux. Onana, rate ton jeu au pied, s'il te plaît. Voilà. Là, t'as avec Georgiev. Georgiev va partir sur le côté. Centré. Ouh. Il y avait de l'idée. Oh, Tarcisio, la récupération de balle. Tarcisio tout seul. Oh, l'arrêt de Onana. Onana, il a failli tomber, par contre. Le coup de pied raté de Kyangebeni. Premier poteau. C'est dégagé. Ça revient sur Kamavinga. À nouveau Kyangebeni. Kyangebeni qui donne ce ballon à Vinicius Junior. Oh, tout le match, c'est un temps fort. Bien joué le tacle, magnifique. Et risqué, mais magnifique. La touche. Ah, on a J. Sancho contre J. Sancho. Notre José Manuel Sancho contre Lord Jadon Sancho. Je pense que j'ai une petite idée sur qui est meilleur que l'autre, mais voilà. Romario. Oh, le but. Ah, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Lord Jadon. Il est hors-jeu. J'ai pas fait exprès de mettre pause, je suis désolé.
Veuillez me s'excuser. J'ai appuyé sur la barre espace sans faire exprès. Bah, d'accord. Le coup de pied arrêté de Kyangé Beigné. Oh la barre! Oh la barre! 25 minutes d'un match complet hein, pour l'instant. Très très complet. En termes d'action et tout. Pas en termes de buts. Mais bah ouais, on a pratiquement tout vu, hein, parce qu'on a vu 5 ou 6 temps forts et il y a 3 frappes de chaque côté, donc on a vu pratiquement tout. Là t'as Fabien le long ballon. Oh, c'est piqué par Kyangé Beigné. La grosse frappe. Grosse frappe. Onana qui a bien suivi, qui s'est détendu. Coup de pied arrêté. Kyangé Beigné, ça revient sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décale Keller. C'est pas la meilleure idée du monde de décaler notre défenseur central pour qu'il fasse quelque chose avec le ballon. On va arriver à la mi-temps avec un score nul et vierge. Ouh, c'est dur en fait au final à dire. Un score nul et vierge entre Chelsea et Bournemouth. Statu quo en tête de la première ligue. Leicester, on ne sait pas ce qu'ils font là actuellement. On va essayer de voir. Leicester qui est en train de faire 0-0 contre Sheffield. Donc décidément, c'est pas un temps à être dans les 3 premiers de première ligue pour marquer des buts. Alors, on a pas mal d'absents et on a personne qui peut jouer à gauche actuellement là. Ça c'est dommage. Bah écoutez, du coup il va jouer jusqu'à la fin, hein, Sancho, il va être un peu fatigué. Ouais, on va pas mettre Souza pour l'instant. On le mettra peut-être si vraiment Sancho est mort et il n'en peut plus, mais sinon ça va pas bouger. Alors, le coup de pied raté, Kyangé Beigné. Penalty. Il est tombé, c'est Keller qui est tombé ou pas? Penalty, la VAR confirme la décision. Beaucoup de penalty hein, cette saison. Comme depuis la fin de la saison dernière. Allez, Tarcisio. Magnifique, Tarcisio. C'est transformé. 6e but de la saison. Est-ce qu'on va réussir à tenir le score, les gars? Est-ce qu'on va réussir à tenir ce score? Ce serait une victoire extrêmement importante que celle-ci. Bon, allez, Keller. On va changer Sancho quand même. Keller qui a pas mal couru. On va faire rentrer lui. Sancho, on va faire rentrer Bruno Souza. C'est fou hein, quand même qu'à gauche on a que Navarrete et Sancho qui peuvent jouer là-bas. Et Kyangé Beigné qui est fatigué. Kyangé Beigné, ça on devrait pas avoir trop de mal à trouver un joueur qui peut jouer. En la présence de Rodrigo Belcastro. Oui, Belcastro, le défenseur central, défenseur gauche, milieu offensif droit, donc ailier droit à ses heures perdues. Est-ce que quelqu'un va suivre? C'est Souza. Est-ce que ça va être un bon choix? Allez, Salvi. Oh, la ballon est très mal donné à Salvi. Il avait arrêté son appel. Souza qui fait une différence. Souza qui a fait une très belle différence, hein, quand même. Sur son aile gauche. Espizo avec Souza. Espizo, le long ballon, malheureusement, qui est donné un peu n'importe comment. Allez, faudra éviter de se prendre un but maintenant. Ce serait une giga clim. Par contre, sinon, on peut en mettre un pour avoir le traditionnel début d'écart. Oh, jeu, dommage. Ça aurait été beau le traditionnel début d'écart. Mais je pense que au vu du temps, ça devrait suffire pour s'imposer 1-0 sur un penalty. Bon, c'est une victoire qui méritait pour moi dans l'ensemble. On a eu plus d'occasions et tout. Onana, on lui a bien chauffé ses gants. Van de Voort, homme du match avec 7,5. C'est n'importe quoi, les gars. Réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes, genre. Est-ce que pour vous, ça peut être l'homme du match à 7,5? Moi, ça me va, hein, parce que les gardiens sont pas assez sollicités dans ce jeu. Enfin, n'étaient pas assez sollicités avant, mais bon. Voilà, quoi. Ils ont fait 9 frappes, 4 cadrés, nous, on a fait 7 frappes. Je pense que Onana, il a fait un meilleur match que Van de Voort, honnêtement. Mais voilà. Bah écoutez, les amis, excellent épisode aujourd'hui. 3 grosses victoires, 4-2 contre Liverpool, 6-0 contre Gladbach et 1-0 contre Chelsea à l'extérieur. Ce qui fait qu'on est premier de Première Ligue, premier dans notre pool en Champions League. Dans le prochain épisode, du coup, on attaque la Carabao Cup. Et puis après, on a 2 énormes matchs contre Manchester United et l'Inter. Donc j'espère que vous avez hâte de voir ça. Pour ça, il va falloir revenir dans le prochain épisode, tout simplement. Revenir sur la chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, comme on dit chez moi, bye.